Mais comment ils vont là? Nouveau décor, nouveau style. Clairement, avec ce décor, on dirait que je suis devenu surfeur. Alors que pas du tout, hein. Moi je suis encore au niveau de la brasse. Avec le reconfinement, je me suis un peu remis à lire des livres. Ouais, les livres. Vous savez, ces trucs rectangulaires là, avec des pages dedans et des mots écrits, ce truc qui renvoie de disparition. Parce que selon le gouvernement, bah, les livres, c'est un produit qui serait non essentiel. Moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Ah bah si, c'est vraiment essentiel. Je sais pas si c'est parce qu'il y a de plus en plus d'écrans qui nous entourent et tout, mais moi j'arrive plus vraiment à lire. À chaque fois que je commence un livre, c'est toujours la même chose. Je suis super excité de le commencer, je le poste sur Insta alors que je l'ai même pas ouvert. Je le commence, je me sens hyper intelligent, et au bout de 5 minutes... Du coup, le lendemain, je sais plus où j'en suis, alors je me retape 2 chapitres pour rien. Ça, je sais. Toutes les 3 minutes, je vérifie où j'en suis. Ah, quand même. Page 8. Quand je m'arrête, tu sais, je corde le coin de la page. Mais vu que je m'arrête tout le temps, bah, mon livre ressemble à un origami. Au bout d'un moment, mes yeux lisent et mon cerveau pense complètement à autre chose. Est-ce que j'ai donné à manger au chat aujourd'hui? Et si on repeignait le salon en vert? Et voilà, terminé. C'est cool, ça parle de quoi? Je sais pas. Par contre, il faut repeindre le salon. Bon après voilà, moi je suis comme ça, mais il y a des tonnes de gens qui sont super à l'aise avec la lecture, qui ont aucun problème, qui voient même pas de quoi je parle. Comme ces gens qui lisent un livre entier en 2 jours. Mais qui es-tu? De quelle planète viens-tu? D'ailleurs, il y a plein d'autres styles de lecteurs énervants. Celui qui se tape une barre tout seul en lisant son livre. Mon livre est mon meilleur ami. C'est mon refuge dans la vie. Personne ne m'aime. Celui qui lit, mais à voix haute. Sans dire, en écoutant des voix qui sortaient de... Mâchez-le pour voir, lui dit-il. Mâchez-le! Mâchez-le! Celui qui lit carrément ton livre. Tu peux la te mater. Celui qui lit absolument partout, tout le temps. Ou encore celui qui lèche son doigt avant de tourner la page, putain. Tiens, je le prête. D'ailleurs, en parlant de prêter les bouquins, tu sais, dans la vie, quand tu prêtes un truc à quelqu'un, normalement, il te le rend. Mais pour les livres, on dirait qu'il existe une règle spéciale où les gens pensent qu'ils ont le droit de ne pas te les rendre. Et après, tu vas chez eux, et comme par hasard... Tiens, c'est marrant, dans tes livres, bah, y a mon livre. Ah non, celui-là, c'est le mien. Ah non, c'est le mien, je m'en rappelle très très bien, je te l'ai prêté il y a des années. Ce livre, je l'ai même pas terminé, mec. Bon, maintenant, je m'en fous un peu, mais voilà, sur le principe, ça m'énerve. Donc pour la peine, je t'emprunte quelques livres. Je comprends bien pourquoi les gens utilisent des liseuses. Au moins avec les liseuses, tu prêtes pas ton livre, quoi. Comme un bon gros rat. Moi, j'ai pas de liseuse, tu vois, je m'en fous. Mais je comprends pas ces gens qui sont anti-liseuses. Tu sais, qui mènent carrément un combat contre les liseuses et sortent toujours le même discours. En fait, moi, mon livre, j'ai besoin de le toucher, de le sentir, de le palper page après page, de retrouver un petit peu de sable qui provient de la plage, parfois. En fait, mon livre, j'ai besoin d'être en fusion avec lui. En fait, je crois même que j'ai envie de le ken. Belle paire de couilles. Alors, selon les sondages, on lit de moins en moins de livres. C'est dommage. Les gens ont la flemme de lire. Et pas que les livres, hein. Sur les articles de presse, des fois, c'est écrit temps de lecture, 2 minutes, 3 minutes. Comme si les gens avaient besoin de tout timer. Bon, après, cette option, elle pourrait être assez cool, hein, sur des gros relous. Hé, hey, mec, je t'ai pas raconté ce qui m'est arrivé la dernière fois. Temps d'écoute, 45 minutes. Alors, en fait, j'arrive dans... C'est aujourd'hui nos cerveaux sont tellement connectés à 10 000 trucs en même temps, on est tellement sollicités que pour vraiment lire sérieusement, faut faire une grosse coupure quoi. Moi je comprends qu'à l'époque les gens lisaient plus, ils avaient que ça. Les gars, ce soir, soirée lecture ou... rien? Lecture. D'accord, donc tout le monde geek, tout le monde sort son livre, même plus on se parle. Super soirée quoi. J'exagère un peu mais Jean-Paul Sartre, s'il était né à notre époque, ça se trouve, il aurait peut-être pas kiffé la littérature, il aurait peut-être pris un autre chemin. Et Jean-Paul Sartre remporte le tournoi Fortnite avec 48 kills. Ce mec est monstrueux. Pour les gens comme moi qui ont un peu la flemme, j'ai découvert et essayé les livres audio. En fait, t'écoutes quelqu'un qui te lit le livre. Ouais, j'ai lu Germinal, ouais. Enfin, on me l'a lu, quoi. Quelqu'un me l'a lu. Je cherche pas à comprendre. Moi, le dernier livre qu'on m'a lu, c'est Petit Ours Brun. Donc, en plus, la voix de la personne qui te lit le livre, elle est hyper importante. Si t'aimes pas sa voix, t'arrives pas à écouter. L'histoire se déroule dans le vieux New York. Mais... Quoi? Comment ça je suis viré? Oh, tu es qui toi? Tu es personne? Dans le monde du livre audio, j'ai un nom. J'ai même pas les couilles. Je vais faire les pubs pour les yaourts. C'est ouf quand même. Les livres audio, c'est les seuls livres que tu peux lire en faisant autre chose. Tu fais quand tes devoirs là? Papa, j'écoute Hamlet en livre audio là. Ah d'accord. Attends pour moi, je... Excuse-moi, je suis fier de toi. Bah, bonne lecture. Et en plus, il me croit, ce con.
et tu es hors de ma vie. Après, il y a livre et livre. Hein. Des fois, tu vas chez Leclerc, tu vois les livres qu'il y a en tête de gondole. Tu dis, si je lis ça, je perds des neurones. J'ai essayé aussi de lire des mangas, mais personne m'avait prévenu qu'il fallait le lire dans l'autre sens. Du coup, au bout de quelques pages, j'étais genre, attends, mais le mec, il meurt et après, il revit. Putain, je comprends rien du tout, là. Et vous, alors, quel livre me conseilleriez-vous, à part un Becherel? Allez, ciao. 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 Ciao.